Donc oui, bonjour tout le monde, nous sommes Coach Abonné, c'est du Gold Plate. Toucan est avec nous encore une fois, bonjour Toucan. Bonjour Oko. Super, et du coup on est avec deux superbes équipes. J'ai trop hâte de la commenter, de voir comment ça va se passer. À la top lane nous avons un Darius champion, vous le savez, que je trouve extrêmement fort. Cependant il y a un Gnar en face, et Gnar ça contre assez bien Darius étant donné qu'il est à distance. Par contre le Gnar n'a pas le droit à l'erreur, sinon il peut se faire déchiré. Il y a des petits freeze au début, c'est normal, c'est tout le temps le cas, mais après il n'y en aura plus du tout. En jungler, nous avons un Warwick contre un Gragas. Mid lane, nous avons une Annie contre une Talia. Avantage, Talia au niveau de la portée. Sauf que Annie, elle est très agressive, il ne va pas falloir la sous-estimer. Ça peut one-shot, on n'oublie pas. Bot lane de l'équipe bleue, Jinx Soraka. Donc Jinx, très grosse portée, plus que Twitch, sans son ultime évidemment. Attends, quoique... Les roquettes, oui, mais sa mitraillette, c'est quoi? C'est le même range que Twitch, non? Est-ce que tu sais? Je crois que Jinx est à 550 et Twitch devrait être à 500. Un petit peu moins? 25, ouais, je crois. D'accord. Enfin, ça doit pas être grand-chose, mais je pense que Jinx a une bonne portée, quoi. D'accord, ok. Et donc en face, nous avons Twitch, Lulu. Lulu, support vraiment super fort. Et on va voir comment ça se passe. Du coup, personnellement, je trouve que l'équipe rouge a l'avantage. Sur l'équipe bleue, ça va... En fait tout va dépendre de l'ultime de Talia aussi, parce que l'ultime de Talia peut vraiment faire chier l'équipe adverse, parce qu'un Darius bah, il a pas de dash. Le Warwick bah, il a juste son ultime pour traverser le mur. Annie elle a rien à part son flash. En fait ils ont rien, ils ont aucun dash en fait. Et c'est ça, ils ont aucun dash. Du coup l'ultime elle va pouvoir roam à la bot lane. Ah j'ai oublié de vous dire ça. Là elle peut vraiment roam à la bot lane super facilement, parce qu'ils ont aucun jump, aucun... à part les flashs. À part le Q de Warwick. Ouais, le Q de Warwick, mais c'est assez compliqué. Non, l'ulti. L'ultime à Warwick, ouais. Du coup, alors, Talia joue Thunderlord? Alors, Talia Thunderlord contre un Darius Warwick, Annie. Moi, j'aurais peut-être pris autre chose, mais peut-être qu'elle veut justement... Vu qu'elle joue avec Ignite, elle a vraiment envie de le déchirer. Le Darius qui fait un excellent trade sur le Gnar. Oh, le Gnar ne l'a pas respecté. Oh, ouf, heureusement que ce Q n'est pas passé, c'était fini là. Ah bah c'est bon, il est mort. Parce que le sang était refresh du coup. Ah, le sang était refresh. Oh putain, heureusement. Oui. Ouh, c'était chaud. C'était ultra chaud. Ouais, le Gnar, c'est ça en fait. Le Gnar a l'avantage, mais le problème c'est quand on a trop confiance et qu'on respecte peut-être pas notre adversaire, bah, c'est ce qui peut arriver. Faut toujours, jamais sous-estimer notre adversaire. Même quand on a l'avantage. Après, Darius, il connaît bien son match-up. Hein, qui ça le... Darius? Oui. Ouais, bah ça se voit. Hein. Par contre, Darius... ouais, heureusement qu'il a mis une grosse pression, mais là, le Gragas, il aurait pu limite venir. Gnar avait sa forme, ça aurait pu donner quelque chose. Après, on n'a aucune vision sur le Warwick, ça aurait pu être catastrophique. Là, Warwick, le dragon, déjà, regarde. What? Oui, Warwick c'est très fort pour faire une début de partie, s'il est en train de faire. Super bon call, et en plus ça c'est un dragon bah, infernal qui va augmenter les... Un dragon infernal en plus. Bon là ça va être encore pire les pour... Les dégâts de Darius et tout. Là, c'est... Oh là 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 là, super bon call. Je l'avais tellement pas vu. L'équipe a scalé énormément sur le dragon de feu actuellement. Wow. Sans faire ce draka. Et le Warwick il en profite pas. Ah mais je sais pas combien il y a de champions qui peut faire ça. Je pense qu'il y en a quand même... Non, Shyvana aussi un peu. Zin, Ola. Shyvana un petit peu moins, enfin... Ça dépend du baron. Agression, Ah, dommage, on n'a pas fait le stun. Elle avait pas. Ah, dommage. Et oui, Talia qui a mis une énorme pression sur la Annie. Mais évidemment, quand on met de la pression comme ça, bah, ça attire le jungler parce que... On est dans une zone à risque, du coup c'est plus facile à gank pour le jungler adverse. Mais en tout cas, là Talia qui met très low la Annie, qui n'a plus de flash. Comme Talia. Du coup, il va falloir faire très attention. Ouais, la Lulu qui a fait un très bon poke, mais c'est tout de suite soigné de la part de Soraka. Et ouais, ça c'est un problème aussi, parce que Lulu ça a tendance à très bien poke. Mais il y a la Soraka qui est là en fait. C'est ça. En fait, à la base, il voulait jouer Blitzcrank et j'ai dit non, prends pas Blitzcrank, tu tiendras pas la lane contre Soraka. Là, regarde comment ça tient super bien! Mais attends, mais le soin, je pensais pas qu'il était aussi fort. Et notre carrière, il voulait prendre à la base une Vayne et j'ai demandé de pas prendre Vayne non plus. Non, ils ont super bien choisi. Gragas qui a été vu par la ward, très bon timing de Soraka au niveau de la ward, très bonne vision de jeu, super intéressant. Le Gnar, du coup, qui a juste 5-7 CS de retard malgré son début un petit peu catastrophique.
où il s'est fait bien, bien outplay par le Darius. Et voilà, on ne l'avait pas vraiment respecté. On va pouvoir farm un petit peu sous la tourelle peut-être. On a un petit peu de farm en retard. Sinon mid bot c'est même, même farm du coup ça passe. Au niveau du stuff, oh c'est marrant. Ah mais non, en fait Annie a tout de suite pris de la résistance magique étant donné que c'est un jungler aussi AP. Gragas comme ça, est-ce que... Wow. Elle prend pas de dégâts presque. Oh, dommage, le Q de Talia était un petit peu raté. Dommage. Bon c'est son placement qui est pas... C'était, elle était un petit peu au milieu de la lane, par contre, elle était ultra tanky, hein. C'est vrai, hein. T'avais raison, hein. Son bouclier, son E, bah, ça donne vrai... C'est combien de résistance, en fait, je comprends pas. Je crois que ça monte jusqu'à 40% non. De réduction des dégâts, si, un truc du genre, hein. Au niveau max, hein. Donc là... Attends, mais comment ça, c'est en pourcentage? C'est pas du flat? Oui, c'est en pourcentage. Avant, c'était de l'armure et de la RM, il y a très longtemps. Maintenant, c'est devenu du pourcentage de réduction de dégâts. Sérieux? Mais c'est trop fort, waouh, wow. Ok, je ne savais pas. Est-ce qu'il y a le E de Gnar qui va pas pouvoir... Oh, il est niveau 6. Il est niveau 6. Ça va faire un pour 1. Ouais, mais bon. Ça va faire un pour 1. ça enlève du farm pour le Gnar. Du coup, il va avoir l'avantage au Gnar. Avec un petit peu de CS en plus. Surtout que ça va... Pour moi, il y a une toute petite erreur un peu du Darius. Bah, c'est-à-dire que il punissait déjà au farm, en fait, je pense. En fait, c'est pas une question de farm. C'est pour le build. Il aurait dû partir sur un bouclier de Doran. Ah oui, ah j'ai pas vu qu'il avait pas pris de bouclier de Doran. Parce que comme il a une très grosse régénération de base, avec le bouclier, il peut devenir totalement invocable pour le Gnar en fait. En effet, le bouclier de Doran qui est presque indispensable contre des Gnar, hein, en passant, vu que ça poke beaucoup beaucoup. Talia qui met énormément de pression à la Annie. Va falloir ward. Attends, je regarde les wards de la Annie, de la Talia. Ok, elle a mis une ward blue side, bot side je veux dire. Ok, oh oh, Talia niveau 6. Talia niveau 6 qui a vu l'ouverture de la botlane. Twitch qui se met invisible, on va pouvoir agresser. Faut préparer le W. Ok, même pas besoin. On prépare le W pour la faire passer à travers le mur, c'est pas grave. On l'a pas fait, on l'a peut-être fait pour la tuer la Jinx. Super, c'est ce que je disais. L'ultime de Talia va être extrêmement important sur la botlane parce qu'ils ont pas de dash. Ils ont rien, ils ont dû flasher. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte. Jinx n'a pas eu le temps de flasher. Jinx a gardé son flash, elle s'est dit qu'elle était morte de toute façon. C'est bien, au moins elle aura son flash la prochaine fois, sauf que Soraka ne l'aura plus. Du coup ça risque d'être un peu embêtant. Gnar qui fait une grosse agression sur Darius. Faut faire attention au coup ballon. C'est la mort là. Attention, attention, l'ultime, on n'a pas l'ultime de Darius. Ah, je savais que Darius allait gagner. Très bon flash. Très très bon flash. Ah, on a raté l'ultime. Warwick est présent. Oh, on s'est fait stun de la part de Gragas. Aïe, très très bonne réaction de la part de Warwick qui était bien là. La Annie qui est ultra tanky, du coup elle a pu résister et attendre son jungler, c'est super bien vu au niveau du build. Warwick a pu venir. La Annie a réduit de 16% les dégâts cachés. Oh, attention. Aïe, la Talia qui... Oh, super intervention de la Lulu. Oh, wow, ça c'est le potentiel d'une Lulu tout simplement. Warwick qui fait un petit peu le fou. Ok, il va retourner tranquillement, pas besoin de le chase non plus. Très bon roam de la part de Lulu, où ils avaient gagné un petit peu le early. C'était assez stylé. Talia qui rate pas mal de ses W. Son Z, mais c'est vraiment pas facile à faire évidemment. Donc aucun souci. Talia qui est partie full dégâts, qui ne prend absolument pas de résistance magique. Alors qu'elle aurait pu faire comme Annie, prendre une petite jupe pour éviter de se faire one shot. Surtout que Warwick fait des dégâts aussi magiques. Du coup, ça aurait été pas perdu. Au niveau des builds, qu'est-ce que nous avons? Des petites bots pour les deux tops. Bon, ils vont partir coup près noir les deux. Ou peut-être maillet gelé. Attends, maillet gelé, c'est quoi le... On peut pas le faire avec le marteau là? La phage? Non, la phage on peut plus. Non. Ok, d'accord. Donc là, Niar il part sur un. Le coup près noir, okay. Comme Darius, un coup près. Le coup près noir le parce qu'il est dispensable. J'ai l'impression qu'il part encore AP, mais arrêtez que les Gragas AP s'il vous plaît. Je lui ai dit, il faut partir tanky. Bon bah. Ils disent tous oui et ils partent oui, tous AP. Oui, c'est marrant, hein. C'est marrant. Oula, attention, ton micro sature un petit peu. Ok, Gnar qui commence à prendre un peu l'avantage. Et ouais, le problème c'est que si tu n'arrives pas à... le Gnar qui fait un bon... contre... Oula, attention. Le Warwick a été ignite pour éviter les soins de Soraka, c'est plutôt bien vu. Est-ce que Darius va y passer? Oh, attention. Oh, est-ce que Twitch a flashing? Pour se
prend l'auto-attaque, c'était assez spécial. Attention là, Lulu qui n'a plus beaucoup de points. Oh, là, là, oh très fait. Bon ultime de la Jinx qui va pouvoir finir Natalia. On va ralentir avec Gragas. On a réussi à tuer le Warwick, ça a été du 1 pour 1. Talia qui a fait son ultime? Non, Talia qui n'a pas fait son ultime malheureusement. On va mourir par Jinx, la Lulu. Peur, ça dit. Et du coup, là, tu vois là, s'il avait pris Vayne, il aurait pas eu ses deux kills en fait. Oui, clairement, clairement, clairement. Ça change tout. Alors là, Talia qui n'a pas eu le temps de faire son ultime alors qu'elle aurait pu barrer la route pour sauver ses alliés, ou même elle-même. Je sais pas si elle était déjà morte ou elle est... Non, la first war pour Darius, hein, s'il va la ramasser jusqu'à la mort, je pense. Je sais pas. Mais alors là, Darius... S'il la ramasse. Aïe, 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 aïe. Là, il est Crésus, quoi. Il a combien de gold? 1700. Il a 4700 en tout, 4800. Il a 1700, 1600 de plus que Gnar. Oh, catastrophique. C'est ce que je disais, hein. Gragas aurait dû se concentrer en fait sur la top lane et mid lane parce qu'en fait, Annie ou Darius, s'ils sont fed, ils vont pouvoir rouler sur la partie. Tu donnes un kill ou deux kills sur Annie, elle va pouvoir one shot la Talia. En fait, Darius, pareil. Gragas. Non, c'est l'inverse. Gragas, il a besoin de se concentrer plus sur la bot lane. Parce que c'est le Twitch et la Lulu le pilier de l'équipe en fait. Ouais, mais du coup, la Talia qui est censée mettre beaucoup de pression à une Annie, bah. Elle aura pas d'aide en fait. Parce que là, elle mettait vraiment Annie super low sous sa tourelle. Elle se faisait gank et elle a perdu tout l'avantage. Alors que si Gragas était là, il y aurait. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, toutes les lanes ont besoin d'aide là dans cette partie pour l'équipe rouge et c'est chiant. À part le Gnar, mais le Gnar, bah. Il a fait quelques erreurs, c'est pas la fin du monde. 6-5, il y a 1500 gold de plus pour l'équipe bleue. Donc du coup la botlane, il y a 2 kills sur la Jinx. Après ton équipe a manque de contrôle quand même. Ah hein. Mais là le Gragas qui est vu, hein. Ah il perd un peu de temps. Oh non, ça c'était Ah d'accord, on a carrément fait... Ah oui, ok, pourquoi pas. Le problème c'est qu'on est pas du tout en train de focus la Soraka du coup. Donc la Soraka qui est en train de soigner à l'infini la Jinx. Ok, on a TP aussi de la part de Gnar. La Talia qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Le Gragas qui va finalement décéder. Triple kill pour Darius. Darius qui est en 6-1. La partie est juste finie. Oh là là, Quadra kill. Il va vouloir Penta pour le beau jeu. Il va vouloir Penta pour le jeu beau jeu. Mais il va mourir, ils vont tous mourir. Ils vont tous... Aïe 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 aïe, le Darius. Oh non, on a fait check et bim, l'ultime dans la face. C'est un 7-2 pour Darius. Il la veut partie du sang quand même. Est fini. Deuxième break de feu. Oh là. C'est ce que j'avais dit, il fallait se concentrer sur Darius et Annie. On peut pas les laisser prendre des kills aussi facilement. Sinon bah ça roule et ça détruit tout le monde après. Là le problème c'est que Talia en plus elle a fait son ultime pour essayer d'aller aider son équipe. Du coup l'ultime n'a absolument pas dérangé l'équipe adverse. Gragas qui a complètement trop forcé pour aller prendre la Jinx. Alors que Soraka personne l'a visé du coup. Et pouvait se mettre à 2 mètres en train de renifler le cul des autres. Aucun souci. Donc là ouais, je veux dire un truc. Vas-y. Là il y a Darius donc qui est très bien dans la partie mais il a un petit point faible hein, et ça va dépendre de comment est-ce que Twitch va jouer. C'est que là Darius il part sur deux objets, c'est le visage spirituel et la danse de la mort en fait. Faut savoir que la danse de la mort ça contre Darius par rapport à Twitch puisque Twitch il a un dot. Du coup il va mal sustain le Darius. Et si vu que Darius n'a pas d'armure, Twitch peut être en mesure d'arrêter le Darius et à partir de là ton équipe pourra peut-être comeback. Attends j'ai pas compris. Si... Sur Twitch, danse de la mort? Non, Darius fait la danse de la mort. Ok. Que Twitch il a un dot du coup, il va contrer le. Comment dire oui, la danse oui. De la mort a pipé un dot à l'ennemi, plus le dot de Twitch qui va dot en continu en fait. Ok, ouais, d'accord, je vois. Et comme en plus Darius n'achète pas d'armure sur son build actuellement, Twitch est le seul à faire la différence contre le Darius. D'accord. Parce que comme il perd visage spirituel, il va contrer tous les dégâts magiques de l'équipe adverse. Par contre, c'est intéressant les bots de Darius. Oui, c'est pour. Pour contrer en fait le Gnar qui peut à l'infini vous ralentir. Donc ça peut être intéressant, on va voir comment ça, si ça fonctionne aussi bien. Parce que les Tabi Ninja aussi auraient été importantes pour le Gnar et le Twitch. Mais ça aurait pas non plus le Gragas qui force trop hein. Mais au moins là il a eu Soraka, il a réussi à la ralentir avec le tonneau. Le Twitch qui a fait son ultime, il va pouvoir la E pour finir. Voilà, ça fait des kills gratuits. On a été obligé de flash de la part de Jinx pour éviter le W de Talia. C'est plutôt bien vu, le problème c'est qu'on met beaucoup de choses. Mais on prend pas d'objectif, on prend juste un kill. À quoi ça sert?
Bon, le problème, c'est que bon bah Annie a fait le déplacement. Après, il y a un gros problème pour le build de la Jinx, c'est qu'elle a fait aucun dégât sur son build. C'est... Là, actuellement, c'est que de la vitesse d'attaque, en effet. C'est... Ouais, elle fait rien, là. En effet, elle fait que là. Bon, du coup, bah, l'équipe bleue, bah, eux, ils sont en train de viser les objectifs. Le Warwick après, est en train de call tous les objectifs. Ouais. Il a fait les deux dragons. Le héros de la faille, il fait tous les objectifs. Après, faut savoir que je joue beaucoup avec le Darius. Attention, le Gnar qui a réussi à peut-être s'échapper. Oh! Oh, le Gnar, ce qu'il a fait. Il a fait son ultime, je crois, ou son W. Non, il a fait son W pour instant stop l'ultime de Warwick. C'était assez impressionnant. La Annie qui est pas morte grâce à sa petite jupette de résistance magique. Pendant ce temps-là, Jinx a été morte en 2v1. Warwick est en train de faire son camp pour prendre de la vie. Est-ce qu'on va pouvoir défendre cette mid lane? Je ne vois pas la tour. Non, on va peut-être pouvoir la défendre. Et pendant ce temps-là, Darius est en train de détruire à la top lane. Oh là 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 là. Je suis en train de dire que je joue beaucoup avec le Darius. Ah oui, oui, vas-y, excuse. Et on prend l'habitude de faire beaucoup les objectifs et c'est que comme ça qu'on gagne en fait. Mais oui, du coup, sûr. En fait, Darius il a très bien compris que là ça sert à rien de rejoindre l'équipe parce que là il crée de la pression à la top lane. Mais oui. Donc forcément, les ennemis sont forcés de back, ils ne peuvent plus mettre de pression à la mid lane. Et lui il a pris 3 tours au top. Mais ouais. Oh là 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 là. Et oui, les objectifs, c'est. Non, mais c'est comme ça qu'on perd les parties aussi. Hein. Même c'est à tous les niveaux. Je veux dire, à tous les elo et à tous les niveaux de la partie, que ce soit early, mid, late game. Les objectifs tout le temps en priorité. De toute façon, même quand tu vois qu'il focus la Jinx et pas la Soraka, tu vois qu'il y a un petit problème aussi. Après, il voulait peut-être essayer de la one shot, sauf que Gragas avait tout mis, il avait plus de rien. La Lulu, bah, ça fait pas non plus beaucoup de dégâts. Après, on avait un Ignite, peut-être sur une Lulu, je sais pas. À voir. Pendant ce temps-là, on s'approche du niveau 11 pour les deux midlaners. Du coup, la Annie va faire encore plus mal avec son ultime. Talia va essayer de. Elle va pouvoir faire des ultimes avec un mur un peu plus long. Donc ça risque d'être un peu mieux. Darius niveau 12, Gnar niveau 11, ça va, il n'y a pas une énorme différence. En termes de CS, il y a juste 10 CS aussi. C'est pas la fin du monde. Mais il y a combien de gold? 8200. Oh putain la vache, aussi, ok, d'accord. Il y a genre 7300, 7500 gold de plus. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? 2000. 2800 gold, hein. C'est ça que tu veux dire? Non, attends. Je suis perdu. Non, il y a 1600 gold de plus de Darius. Ah oui, non, encore. Ok, d'accord. Rien à pas. Ça n'a pas vraiment changé en fait. Oh! Oh non! Le Gragas qui s'est fait prendre, qui a même pas pu faire son E, qui a raté son truc. La Talia bloqué complètement. Oh là! Il est bon, Gragas. Darius qui est incontrôlable! Il va faire deux quadra kill! Ah non, il va pas pouvoir. Oh là là. What? Attends. J'ai mal vu les dégâts ou quoi? Le Darius, il fait sa petite place, il arrive là, ça hache. Et on me dit non, Darius, c'est pas le meilleur champion. Et tout... Non, mais mec, le champion est complètement fumé. Arrêtez. Vous ne croyez pas. Ça, c'est pas mal par contre. Bien vu de la part de Twitch. Attention, on reste pas dans les grenades. Voyons. Oh. Oh bah, un pour un. Bah 2 pour 1. On s'est Darius qui continue à push les tours. Eh oui, Darius qui vise que les objectifs. Mais y a que ça à faire, hein. Bah, oui. Y a que comme ça pour gagner. Bien hein. sûr. Si t'as envie de faire des kills, tu fais des 1v1 en Aram et puis. Bah justement tu fais des Aram et puis. Même en Aram en fait y'a des objectifs du coup. Ouais, il n'a pas en Aram. Eh oui. Dans tous les jeux, il y a toujours des objectifs. Là, ils sont en drake, donc du coup, non, apparemment, il le fuit. Il y a un drake, il y a bientôt aussi le baron. Bon, c'est un drake devant en fait. C'est un drake devant. Est-ce qu'on veut prendre de la vision? Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de vision de l'équipe bleue. En effet, l'équipe bleue n'a vraiment pas beaucoup de vision. L'équipe rouge, pas plus. Donc, on va peut-être prendre 30 secondes pour aller ward. D'ailleurs, en parlant de Trinket, Twitch, il y en a deux. Soraka qui a pas pris de spawn. Okay. Vu comment ton équipe se déplace en meute, en fait, la vision elle est pas hyper importante parce que on sait de suite où ils sont. Ouais. Là, on les voit tous au mid. Ton ils équipe elle a pas faire trop faire tranquillement. Oh, attention! Attention, la Talia, la Annie qui a perdu son truc. Le Gragas qui est. Oh là là là, ok, ça a du flash. La Annie qui a focus le Twitch. Très bon ult.
Elle est hyper tanky. Hein, ouais, elle est pas mal tanky, hein, parce qu'elle s'est pris beaucoup de choses dans la gueule. Ah, mais en elle plus, est partie séculaire Mercure. Ah, ouais, elle est super tanky, la Annie. Enfin, séculaire, c'est une Banshee. J'avais dit quoi? J'ai dit séculaire, ouais, non, séculaire, Banshee, ouais, excuse. Voilà. Et voilà, le Gnar qui, bah, qui peut plus rien faire, hein, 10-2 le... Je leur ai dit de partir à RM, mais je pensais pas qu'elle allait faire autant de RM, la Annie, en fait. Mais c'est pas con, bah, en fait, parce que finalement, dire que elle, le champion elle, fait elle déjà beaucoup trop, ouais, de dégâts de base. Ok, le Darius qui a pris du temps sur l'équipe adverse pour que la T2 puisse être détruite par son équipe bleue. On fait une rotation. Peut-être que la rotation est pas ouf, on est un petit peu low pour l'équipe bleue. Ah si, d'accord, la tour avait plus beaucoup de vie, du coup on prend des goals gratuitement. Attention le slow. Warwick va peut-être pouvoir aider. Non, le Warwick faut se casser là, fallait juste aider, on se casse. Attention. Le Twitch fait toujours pas la marque du bourreau par contre. Twitch qui ne fait pas la marque du bourreau. C'est hyper problématique, hein. C'est une obligation là. Il y a Warwick, Darius, Soraka, tu peux pas faire, ne pas la faire, je veux dire. C'est vrai que ça coûte pas très cher en plus. Ça coûte combien d'ailleurs? C'est 800? C'est 800. Mais même, c'est pas que pour le prix, c'est pour l'effet que ça donne. Ouais, mais c'est non, mais important. Parce qu'en fait, ça donne de l'AD en plus. Du coup, c'est pas des stats perdus. C'est pas comme si ça te donnait, je sais pas, de la létalité ou des trucs comme ça, quoi. Bah, même mais ça donne l'AD, mais ça fait pas un item anti-tank. Là, ils ont quand même. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas tilté en fait. J'ai vu une Soraka, je me disais, ok, il va falloir l'exécutionneur. Je sais pas quand, mais il va en falloir un. Mais c'est vrai qu'en voyant Darius, Warwick, qui vont regen comme des gros psychopathes... Bah là, j'avais conseillé à Warwick de partir au bout du rouleau, et car je l'ai, il fait... Darius, lui, il part sur plaque mais du mort. C'est marrant de voir des builds comme ça sur Annie, parce que Annie a toujours eu des builds un peu particuliers, je trouve. Parce que elle a tellement de dégâts qu'elle peut se permettre de prendre autre chose. J'ai déjà vu des Annie, des OTP Annie qui prenaient... avant que la protopelte existe, tu sais les deux fantômes, là, l'item support. Oui, pour pouvoir rattraper. Même la protobelt, ouais, en fait, sur Annie, c'est très bien parce que ça, tu peux engager avec ton ult. Parce que normalement, t'as pas de portée, tu vas très lentement. Gargas qui essaye de prendre Soraka ici. Bref, là, en fait, la Annie est ultra chiante avec son. Sa Banshee. Sa Banshee, en fait. Là, je vois ça, tu peux pas l'engager, en fait. C'est ultra. Bah, mais la Banshee, le joueur, à la fois, il le voyait pas, mais ça met énormément de pression. Parce que quand il y a un Gragas qui a un ulti ou un Malphite, oui, il fait quoi? Il peut rien faire, en fait. C'est juste le Gnar qui doit faire son Q pour enlever la Banshee de. Ouais. Ou un petit Q de Taya, mais elle doit prendre des risques, du coup, c'est un peu chiant. Le truc, c'est qu'en plus, si elle flash in, bah, on va pas pouvoir instant la CC, en fait, la Annie. Du coup, ça peut être super intéressant. Bon, là, c'est en train de stagner alors qu'il y a un Baron. Ils ont tellement d'avance que. Et en plus, ils ont bien wardé, hein. Du coup, ils pourraient limite forcer un Baron. Après, est-ce qu'on veut éviter? Parce qu'il y a quand même un Twitch. Du coup, si on n'a pas la vision sur Twitch, des trucs comme ça, ça peut être vraiment chiant. Mais il y a une Jinx. Il y a une Jinx, le problème, c'est qu'elle doit se commit pas mal pour aller attaquer la tour. Et en plus, il y a un Gragas qui pourrait la refaire. Oui, il y a Soraka derrière pour soigner. Ouais, il y a Soraka derrière. Et on n'a pas d'exécutionneur. Là, elle a fait l'erreur, Soraka, de pas finir l'item support aussi. C'est une très mauvaise idée encore. Il faut aussi faire les surtout bots de l'item support avec un Darius Warwick qui donne des movement speed. Mais c'est génial. Même pour Jinx, là. Même pour Annie, mais en fait pour tout le monde, ça aurait été génial. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, Annie? Ok, d'accord. Elle a trouvé une ouverture. Elle fait 100% ce qu'il faut. Elle a trouvé une ouverture pour les punir. La Soraka qui s'est un petit peu trop commit. Ils sont sous une tourelle. Oh là 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 là. Qui a fait tout ça là, oh. C'est le langage de Annie qui a tout fait. Oh lolo. L'explosion. Et bah c'était une partie rapide. Je sais pas s'ils vont pouvoir finir. 20 secondes. Il y a des chances. Parce qu'il y a Jinx pour non, ici il y a moyen. Ah, quoi, il y a une petite vague derrière. Il y a l'ult de Annie qui peut tanker un petit peu les tourelles. Parce que Talia, on peut totalement l'ignorer. Ouais, j'avoue. Waouh. Et oui. Il faut absolument respecter les flashs d'Annie. C'est un engage de fou. Flash ult, ça fait. Bah, on voit quand même qu'il y a plus de niveau. Hein. Non mais Jinx. Ouf. C'est mis dans l'enquête. Ouf. Et bah, GG. Non mais c'est vrai que là, quand on passe à du gold plat, finalement on le voit le niveau en fait. Bah, il y a beaucoup plus de niveau. Surtout en termes de rotation. Tu vois, en termes de skill, en termes de mécanique individuelle. J'ai pas vu grand chose en vrai. Genre, c'est. Bah oui, peut-être, mais je veux dire, c'est surtout en termes de. Comment dire de macro et d'objectif, de prise de décision, oui.
Genre la Annie qui a flash ult pour aller chercher les deux ADC, je crois qu'elle a eu les deux carrés, hein. Elle a eu le mid ADC, je pense. Elle a touché deux personnes, elle a touché Talia, je crois, mais après... Et peut-être Lulu, peut-être, ouais. Peut-être pas Twitch. Mais même, c'est super important parce que Lulu, c'est elle qui permet de protéger son équipe. Eh oui, si elle arrive ouais, c'est sûr. À pénaliser non, elle Lulu. A vraiment vu une ouverture et il faut avoir ce... Et tu as vu, donc là, Annie a engagé, des joueurs bronze, ils auraient dit ouais... c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait non, là ils ont tous follow, ils sont allés ensemble, on prend des risques, Annie si elle meurt, bah c'est pas grave, elle temporise pour nous, elle tank pour nous. Oui. Surtout Corwin qui peut venir très rapidement, Darius il arrive, il peut finir tout le monde avec son ult, sa proc et il finit tout le monde. La Jig, ça s'est pas de poser question, elle a DPS, DPS, son racket est derrière pour soigner. Super bien joué. Et alors il y a eu plein de quadra kills, hein, c'est hallucinant. il a eu deux, un triplé, je crois. Là, c'était une game de folie. Et super niveau. Et ouais, bah faut respecter le Darius, hein, c'est un personnage qui snowball. Très bon engage de Annie alors qu'elle était elle était pas du tout fed. Elle a fait son taf. Et vous voyez, pas besoin d'acheter des objets full dégâts pour faire des dégâts. Il hein. Y a encore, quelques petites erreurs, on va dire, de... Ouais, mais ça vraiment. C'est vrai qu'Annie, c'est bon, le champion est juste tellement. Pas comment dire. Il se déplace tellement lentement que j'aime pas trop le champion. Mais c'est vrai qu'il est ultra fort. Hein. Et Annie, c'est fort à tous les elos. Il y a un mec challenger au TP Annie. C'est vraiment un super champion. Mais oui. Il faut s'adapter au niveau du build. Annie, c'est vraiment toute une question de build, surtout. Et de prise de décision, etc. avec son flash. Du coup, bah, GG tout le monde. Nous, on va faire un petit bilan avec eux. À moins que tu aies quelque chose à nous dire en plus, sinon on va aller parler avec eux. Ah bah c'était du spectacle. Mais ah ouais, c'était vraiment. J'ai pas vu. Alors j'ai l'impression que la game a fait 10 minutes, tellement c'est parti dans tous les sens. C'était vraiment intense, ouais. Du coup, merci beaucoup, Toucan, d'avoir été là pour les précisions. Encore une fois, c'était super intéressant. Bah c'était super cool. Et à la semaine prochaine, les gens. La semaine prochaine, on redescend un petit peu dans les Halo. On recommence bronze, silver et ensuite silver, gold. Et peut-être un jour, on fera avec des diamants et des plates. Voir s'il y en a assez dans le serveur Discord. On vous invite encore une fois à venir dans le Discord. On fait des events, Toucan fait des trucs assez cool. Et c'est ça. Allez, à plus tout le monde. À plus, Toucan. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Beaucoup.